On va voir 5 façons de gagner de l'argent grâce à l'attention. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. J'espère que tu as mis déjà un petit j'aime et que tu t'es abonné et que tu as cliqué sur la cloche les gars. Hein, je te rappelle l'objectif. Hein, c'est 100K les gars, donc les 100K ils vont pas se faire tout seuls. Donc je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action et à faire de l'argent grâce à internet. On a une chance de fou, notre génération elle a une chance de malade que nos parents n'avaient pas avant. Les gars, c'est un truc de malade internet, ok? T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo. Si ça fait un moment que tu me suis, tu sais que je répète toujours la même chose jusqu'à temps que ça soit ancré, ça rentre là-dedans, que ça soit acquis. L'argent suit l'attention, ok? L'argent suit l'attention et je vais te donner un petit peu les 5 chemins pour pouvoir avoir l'attention des gens. Donc, on va avoir 5 façons de gagner de l'argent grâce à l'attention, ok? Et après, tu vas me dire, ouais, mais non, des fois, l'attention, c'est pas lié. Non, quand tu fais, par exemple, du e-commerce, t'as pas besoin de l'attention des gens. Si, en fait, tu as toujours besoin de l'attention des gens. C'est juste qu'il y a des... C'est juste que tu achètes l'attention des gens. Le marketing, c'est l'attention, en fait. Donc, du coup, tu achètes l'attention des gens. Et le problème avec ça, hein, le défaut avec ça, c'est que, premièrement, si tu n'as pas d'argent, bah tu fais comment? Tu fais comment pour avoir l'attention? Tu n'as pas d'argent, tu peux pas acheter l'attention. Donc, l'attention, c'est quoi? C'est payer. Quand je dis payer, bah, c'est de la pub, hein, tout simplement. La publicité, n'importe où. Bah, surtout sur les réseaux, puisque l'attention est sur les réseaux. Et deuxièmement, tu vas juste te confronter aux concurrents qui veulent aussi avoir la même attention que toi. Tu vois, ils vont payer aussi pour avoir la même attention. Et tu vas rentrer dans le game de c'est à celui qui a le plus d'argent, qui met le plus d'argent dans son marketing, donc dans la publicité, qui gagne. Ça va être c'est aussi simple que ça, en fait. Okay, donc, tu vas être confronté à ça. Et troisièmement, la confrontation, c'est est-ce que tu vas réussir à convertir? Est-ce que tu vas être rentable quand tu vas acheter l'attention des gens? Donc, tout ça pour te dire qu'avoir l'attention des gens de manière organique, c'est-à-dire gratuitement, c'est quand même mieux, tu vois. Et en plus, ça développe ton personal branding. Donc, je vais te donner les 5 façons que tu peux utiliser pour pouvoir avoir l'attention et du coup, pour pouvoir gagner de l'argent. Et après, selon les façons que je vais te donner, tu choisiras celui qui t'intéresse le plus. Première façon, c'est être chanteur. Chanteur, pas genre débutant, chanteur reconnu. Parce que l'objectif, c'est que quand tu vas faire quelque chose, tu vas attirer l'attention et tu vas les basculer sur tes réseaux sociaux. C'est ce que les chanteurs font, c'est ce que les rappeurs font, etc. Donc, on peut dire chanteur, rappeur. Voilà, que tu sois en gros, comme ils disent aux États-Unis, famous, ok? Il faut que tu sois connu, quoi. Du coup, quand tu es connu, ben, tu as l'attention des gens et du coup, tu peux les basculer sur tes réseaux parce que de toute façon, l'attention est sur les réseaux, ok? Après, tu fais tout ce que tu veux, mais l'objectif, c'est qu'après, c'est de les ramener sur tes réseaux sociaux parce que c'est là où il y a l'attention, ok? Je te redis encore une fois, avant, l'attention était dans la télé, elle était dans les journaux. Aujourd'hui, l'attention, elle est sur les réseaux. Et c'est pour ça, avant, ça déchirait d'avoir une chaîne de télé et avoir acheté un journal. Mais aujourd'hui, d'être propriétaire d'un journal, hein, pour être plus précis, mais aujourd'hui, attention sur les réseaux. Et des gens comme toi et moi bah, peuvent avoir leurs propres médias, leur propre personal branding, leur propre attention et du coup pouvoir faire de l'argent. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de millionnaires qui se font de nos jours que par rapport à avant. Mais les gens, ils ne prennent pas conscience de ça. Ils vivent comme si on était toujours en 1977. Ce n'est pas les opportunités alors que tu as la formation offerte juste en dessous. Ou sinon, tu as l'influenceur 2.0, je te montre exactement comment faire pour créer cette attention et gagner de l'argent. Donc, première façon de faire, bah, c'est d'être chanteur, rappeur. Okay? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que toi, tu es rappeur ou pas? Tu es rappeur, tu es chanteur? Ok? Bah, si tu es rappeur, tu es chanteur, continue. Continue jusqu'à temps que ça pète. Ok? Renouvelle-toi, me remets-toi en question. C'est comme dans tout, c'est comme dans le business. Hein. Vise à marcher aussi. Hein. Ça serait très intelligent, ça. Au mieux de faire la même chose que quelqu'un et ta propre personnalité et vise un marché, par exemple. Vaut mieux viser un marché, comme ça, tu as des gens qui vont toujours acheter ta musique que de viser un truc mainstream et que tu vas être en concurrence avec quelqu'un, tu vas ressembler à quelqu'un d'autre, etc. Bref, ça y est, je commence à faire le mec producteur et tout. Rien à voir. Deuxième façon d'avoir l'attention des gens, et ça, j'ai observé, ça fonctionne de malade, c'est passer dans une télé-réalité. Là, toutes les meufs qui passent dans les télé-réalités, elles ont un compte, elles ont 5 000 abonnés. Quand elles ressortent, elles en ont 500 000. Hein. Et après, des fois, ça va jusqu'à 1 million pour celles qui ont le plus performé, qui se sont le plus fait remarquer dans
dans le show dans lequel elles ont participé. Tu vois, je repense à un show que j'avais vu qui s'appelait Too Hot to Handle. Donc genre trop chaud pour être géré. Et genre en gros c'était des gens qui devaient venir dans une villa, mais ils devaient pas coucher ensemble. Personne de deux, même embrasser, c'était pas bon. Donc ils avaient une cagnotte de base et ils devaient ni embrasser ni, je crois même toucher, je crois. Moi je m'en rappelle plus. Mais ils étaient là une semaine, mais ils devaient rien se passer quoi. Et si jamais ils faisaient quelque chose, bah, ça enlevait de l'argent dans la cagnotte. Ok? Donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, bon, voilà, tu le sais. Et donc du coup, je me rappelle, il y a une des participantes qui est partie de je sais pas combien. Mais quand elle est sortie durant la diffusion du show, bah elle est passée de je sais pas combien, je me rappelle plus trop à combien elle est passée, mais elle était au début, c'était 30, 40, je sais plus, elle est montée à 1 million direct. Et aujourd'hui elle est plus, après j'ai pas vérifié, mais pour te dire, quand tu passes dans une télé-réalité, voilà. Est-ce que toi tu veux passer dans une télé-réalité ou pas? Non, ça te correspond pas donc du coup. Voilà, bah après ça dépend. Tu passes dans une télé-réalité, est-ce que tout le monde peut accéder à une télé-réalité ou pas? Non, j'ai pas l'impression, tu vois. Donc j'ai l'impression que cette manière d'attirer l'attention n'est pas accessible pour tout le monde. Troisième façon d'avoir l'attention des gens et du coup d'avoir l'argent, c'est d'être un sportif de haut niveau, connu. Tu vois, Cristiano Ronaldo, je crois qu'il a 294 millions de personnes qui le suivent. Attends, je vais quand même vérifier parce que pour pas manquer de respect à Cristiano. Cristiano... Ouh, 257 millions. Okay. Donc le gars il a 257 millions de followers. Pourquoi? Parce que c'est un sportif de haut niveau et qu'il est super connu. Okay, donc du coup t'inquiète pas qu'il gagne beaucoup plus grâce à ses réseaux sociaux qu'avec son salaire de footballeur. En tout cas le fait qu'il ait ça, forcément, de toute façon c'est sûr. Déjà parce qu'il gagne beaucoup plus en extra qu'avec son salaire. Et toutes les opportunités, les marques travaillent avec lui parce qu'il a autant de followers, etc. Comme je t'ai dit, l'argent suit l'attention. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux être un footballeur super connu ou pas? Est-ce que tu peux être un sportif de haut niveau ou pas? Quatrième manière d'attirer l'argent à toi, c'est d'être un acteur de cinéma. Genre connu. Tu vois, une star, quoi, en gros. Bon, voilà, les gars, toutes les stars, tu regardes leur compte machin, là, The Rock, là, je sais pas combien il a. Et, lui aussi, c'est un truc de malade. Il a combien, The Rock? The Rock, il a beaucoup. Hein. Non, j'avoue, Cristiano Ronaldo aussi, il a beaucoup. The Rock, ah il a moins que Cristiano. Donc The Rock il a 214 millions. Bah, tu vois, à un moment donné les gars, voilà. Est-ce que toi tu peux être un acteur ou pas super connu? Est-ce que ou pas? Est-ce que tu es Denzel Washington? Est-ce que tu es Denzel Washington ou pas? Non, t'es pas Denzel Washington. Donc du coup tu vas pas pouvoir convertir cette attention, boum, dans tes réseaux. Non. Ok, donc tout ça pour te dire que la dernière façon que tu puisses avoir l'attention des gens, parce que tu veux être riche ou pas, tu veux être famous, tu veux tout, hein, tu veux la belle villa, la belle femme, la belle voiture, tu veux tout ou pas, ok? Donc tu sais qu'il faut avoir l'attention, donc l'attention, il la met sous les réseaux, après t'as tout, l'argent, t'as tout ce que tu veux, ok? Et bien la seule manière de faire, c'est de faire du contenu directement. Il n'y a pas de choix, mon gars. Ok? Et c'est tout. Après, c'est sûr que tous les trucs que j'ai dit avant, bah, ça accélère. Mais est-ce que ça ne prend pas beaucoup plus de temps, même? Ou ça ne prend pas même l'équivalent, le même temps? Parce que pour être un footballeur professionnel, tout ça, et puis est-ce que c'est accessible à tout le monde? Tout ce que je t'ai dit là, est-ce que tout le monde peut y aller ou pas? Non! Donc, ok, donc à un moment donné, les gars, il va falloir créer votre Instagram et produire, les gars. Mettez du contenu Instagram, YouTube, faites, ouvrez votre chaîne YouTube. Tu vois, hein? J'ai fait exprès de vous dire ça, les trucs avant. Il n'y a pas. Le plus simple pour nous, pauvres mortels, hein, c'est d'être influenceur 2.0. Hein. Et là, on a des exemples comme ça. On a des gens, là, regarde Mister V, regarde Thibaut Inchep, regarde tous ces gens-là. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, dans leur vie, en tout cas. C'est en fonction de leur projet, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils imaginent. Voilà, Thibaut, il voulait faire. Une salle de sport, il a fait sa salle de sport. T'es personne, t'es comme ça, t'es pas sous les réseaux, t'as pas l'attention de personne, tu fais pas de salle de sport. Hein. Tu fais comment? Ça veut dire que même si, imaginons, il est nul, il sait pas comment monétiser sa chaîne, hein, parce qu'il a pas participé, il a pas pris la formation influenceur 2.0. Même s'il est nul,
Et il y a bien des partenaires qui vont venir, Moving, qui vont dire, vas-y, si tu veux, on travaille ensemble. On met écrit Timbo Moving et on paye tout, nanani, juste tu mets ton nom, nanani, on te donne un pourcentage. Tu vas toujours attirer l'argent, en fait. L'argent va venir à toi. Parce que tout le monde voudra travailler avec toi. Ok, après, j'ai déjà donné d'autres exemples comme ça dans d'autres vidéos où je te disais, tu peux même être acteur. Et une fois que tu es acteur, rien ne t'empêche d'aller, une fois que tu es dans le monde acteur, rien ne t'empêche d'être toujours en mode tout pété, genre vas-y, je vais être acteur au sein Hollywood. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu es déjà dans le game. Après, c'est un autre game, mais ça aura commencé parce que tu as l'attraction, enfin, tu as l'attention des gens. Ok? Donc, les gars, arrêtez de réfléchir, tournez autour du pot pour pouvoir faire de l'argent, hein, au lieu de payer là, pour avoir au lieu de payer pour pouvoir vendre ce que vous voulez vendre. Soyez un influenceur 2.0, les gars. C'est le futur, c'est le présent, c'est le futur. C'est comme ça. C'est pas pour rien que Will Smith, je vais le prendre à chaque fois cet exemple-là, parce qu'il m'a marqué. C'est pas pour rien que Will Smith est venu sur les réseaux il y a 2-3 ans. Pourtant, il avait déjà l'attention des gens. Enfin, il a juste converti son attention, boum, sur les réseaux, parce qu'il sait qu'il est en train de perdre de l'argent, tout simplement. Ok, donc les gars, vous êtes libre d'accéder à Influenceur 2.0. Je te montre exactement comment faire de l'argent, avoir l'attention et faire du cash sur Internet, ok, avec vos réseaux sociaux. Donc, tu as tout ça en description. Arrête de bégayer. À moins que tu aies déjà une star, ben non, si tu l'es, non, tu l'es pas. Ok, Charlie. Donc, du coup, à ce moment-là, faut passer à l'action, les gars. Ça va pas se faire tout seul. Tu as l'argent, tu peux juste regarder où tu veux, tu peux faire comme tu veux. C'est Influenceur 2.0 qu'il faut être pour faire de l'argent. Fais tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déter. Ah oui, j'ai oublié de dire. Mets un petit j'aime quand même et un j'aime pas parce que tu penses que non, moi, j'ai pas besoin de l'attention. Tous les gens qui essaient de fonctionner sans attention, ils courent après des clients. Ils ont un service, ils font le truc à l'envers. Tu vois, genre, ils font d'abord leur produit et après, une fois qu'ils ont fini leur produit ou leur service ou ils veulent vendre quelque chose, ils se disent bon, qui est-ce qui veut mon produit? Personne n'y calcule. On te connaît même pas, frère. Comment ça, tu me parles de ton produit? On sait même pas qui tu es. Hein, c'est pas le produit qui gagne, les gars. C'est l'attention qui gagne. Tu gagneras toujours l'attention. Ok? Donc, vaut mieux faire à l'envers, même avoir l'attention. Et c'est ce que j'explique aussi dans la formation. Vaut mieux avoir l'attention d'abord que même si tu n'as pas de produit. Tu vas toujours gagner. Tu vas toujours gagner. Ok? Donc, sinon, bah, tu mets le j'aime, tu mets j'aime pas. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste des. Terminé, il y a eux et à nous, choisis ton camp. Il faut juste rester dans la logique et de croire que c'est possible.